Eh bien, bonjour, nous sommes le 2 octobre. Elle est où, ma lumière? Lumière, lumière, tu n'es que lumière. Fou, putain de vache. Oui, avec un verre. Avec... Attention, je ne peux, faire... peux pas me contorsionner. Hein. Tu vois? Ouais, je vois. Tu vois ce que tu fais? Non, il est un grand angle. Voilà. Ouais, grand angle. Alors, nous sommes pour l'anniversaire de Loan. Je suis bien ou pas? Christelle. Christelle, ma soeur. Christelle, la soeur qui fête ses 85 ans. Voilà. J'ai crois qu'on a 85 ans. Et nous sommes avec Robert, papa, il y a Guy aussi. Oh, tu suis un peu. Oui, ah, Guy, il est là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, voilà, Christelle, tu suis le moment. Voilà. Et nous sommes vraiment heureux de participer pour ce ces anniversaires. C'est chiant parce que le mois de balance, il y en a beaucoup. Ah oui. Donc voilà. À moi. N'étais pas dans une certaine émotion. C'est toujours comme ça. Ma soeur, tiens. Non, mais il fallait pas. Bon anniversaire. Oh, ah, Va avec elle. C'est des chocolats, ouais. Ouais. Ma... Tiens, Flo. Tu sais ce que c'est que ça? De quoi? Ouais, parce que... Voilà. C'est ton anniversaire aussi. Oui, je sais, mais bon, là... Oh, Agui. Je suis touchée, là, vraiment. Ah ouais? Dégage-toi. Il fait des doigts devant. Ah, waouh. Attention, ah, ça tombe bien. J'en avais pas. Est-ce que elle est pas trop grande? Parce que tu l'as essayé. Tu te rappelles? Oui, au téléphone. Mais non, pas, c'est Flo. Elle est magnifique. Je suis tout émotionnée. Non, bouge pas. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Attends, si, comme ça. Eh non, parce que c'est. La première idée que tu m'as balancée, c'était pas vraiment terrible. Quelle idée. C'est pas la même, hein. C'est pas la même. T'as vu comment elle est. Mais là, pour moi. Christelle, je voulais te dire un truc parce que c'est pas simple pour trouver un cadeau pour toi. Non, donc au départ c'était un aspirateur ou on m'a sorti un grille-pain. Elle en a pas, j'ai dit non, t'abuses. Un grille-pain, ça aurait pu être un grille-pain, c'était beau. Si, j'avoue que j'avais. Franchement, un grille-pain. C'est vrai, mais ça me ressemble. Et où l'aspirateur? Oh, Noël, attends. Noël, t'auras un grille-pain. L'aspirateur, c'était pas mal aussi. On a assisté au décollage du drone qui va nous filmer. Il est super joli. Regarde, tu vas voir, il va monter. Mais il est où? Il est en bas là. Oh, celui-là. Il est de l'autre côté là. Ah, il s'en va. Putain. L'ours dans l'eau. Allez, il y a une caméra qui vient jouer comme ça. Le jouet, il coûte 600 euros, ma chérie. Ouais, celui-là, non. Et encore, il était. Il y a une caméra. Ouais. J'ai vu déjà les images. Et puis, merci. Encore le jouet. D'abord, le voyage. En bas. Faites coucou. Ouais. Ah, il fait du bruit, hein. Une grosse mouche. Oh, le moustique. Oh, le moustique. Hein? Ouais, je filme le drone. Ah, c'est drôle, hein. Ouais. Il contrôle, hein. Il contrôle. Bah oui, tout en puissance. Ah, il y a dame, elle est là en bas, il y a Joséphine. Il nous regarde, regarde, oh là là, quel style, quelle grâce. Oh là là, il revient, attention, il va revenir, attention. Ça fait du bruit. Ah
oui. Hein. C'est pas que ça fait longtemps. Oh la vache. Ça va haut, hein. Ça va haut, quand même. Hein. 100 euros. C'est de se convaincre. Mais nous, de toute façon, elle a quand même été très cher. Il est à 800. Ah, bah si je fais beaucoup de calendriers, c'est bon. En promo, en promo. En janvier, il y aura des soldes, hein, chérie. Mais il a galéré pour les mettre dans la maison. Non, moins qu'avec le petit. Non, avec les autres. Ah oui, en anglais, ouais. Arrête, tu vas tomber dans l'eau, le truc. Non, il contrôle, il contrôle. C'est dommage, hein. Il était bien, hein. Ah, ouais. Oh merde. Ah, capitaine Flamme, tu n'es pas. Mais c'est de la merde. Ah, ça fait 3 jours que je l'ai acheté, regarde. Je l'ai acheté où? Capitaine Flamme. Et tu sais, moi, celle que j'achète chez mon marin, elles sont plus costauds. Et t'as pas ton père, quoi? Ah ouais. Ouais, j'ai des chaussures. Ah ouais, oh, mais dis-le loin. Ça fait 2-3 ans que j'ai acheté, quoi. Il y a 1 euro, 15 euros. Et là, il prend un coup d'éclair. Poum. Ah, ça serait dommage. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Chacun va se servir. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais moi je peux pas, moi. Je vais te servir, moi. Quoi, Miss Fine? Ah, elle a toujours comme ça. Oh, papy! Ah, oh, t'as la crotte au cul! Non, oui, il a les couilles pleines, pardon. C'est mon père, j'ai pas le droit de dire ça. Non, c'est quand même. C'est l'anniversaire, mamie! Mamie! Comment les vieilles? C'est l'anniversaire à Loan aussi! Mamie! Hip hip hip! Alors, je vous présente, ma fille, 35 ans. Voilà. Propre sur elle. À l'envers. Plus dedans, c'est ça? Non, je tire les peaux, c'est ce qu'il faut, les gens maintenant, ils font pour pouvoir. Ah oui, les bisous. Ah oui, elle fait comme Garcia. Mais non, c'est pas le poissonnel. Ah, oh, il y en a deux. Et le deuxième. Ouais. Alors maintenant, pour Lolo. Joyeux anniversaire, Lolo. Joyeux anniversaire, Lolo. Joyeux anniversaire, Lolo. Joyeux anniversaire! On n'a pas tous les jours 53 ans. Ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite. Et il faut qu'on en profite. La 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 la. Lola, on n'a pas tous les jours 50 ans, ma sœur. Je veux voir ma maman. Mais non, c'est pas normal. Il est mignon. Même quand il est moche, on dirait Steve. Je l'aime. Regarde, il va voir ma maman.
C'est vrai qu'il est fort. Voyons, voyons, voyons. Je recommence pas. Il est mignon. Faut que tu mettes. Je veux voir maman. C'est un peu voyons, c'est quoi qu'on fait? Voyons, fais voir, je filme. Ah, c'est la peine. Ah, je veux une anniversaire, Loan. Assieds-toi là. Joyeux anniversaire, Loan. Joyeux anniversaire, Loan. Joyeux allez, les deux, ouais. Les deux. Elle va souffler. Elle a soufflé. Attends, soufflé. Mais elle a pas trop. Attention, à trois. Un, deux, trois. Et tu souffles pas. Elle ramume. Elle a très bien soufflé. On va sa santé. Marchons, comme des bouillons. Abreuve le sillon. Vive la France! Au début, il parle de qui? Il était d'une timidité, de toi, Fabrice, Richard, c'est pas mon anniversaire. Machin. Il était d'une timidité qu'il a fallu que je l'amène au théâtre avec moi. Et là, je savais pas qu'il serait devenu comme il est maintenant, grâce au théâtre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une partie, oui. Ah ben une partie, t'étais timide, t'étais renfermé, t'étais réservé, t'étais pas. C'était pas moi. C'était pas lui. Et il a fallu le faire découvrir par sortir son expression extérieure. Là, j'ai fait un pleonasme. C'est pas bon, c'est pas. L'expression extérieure, j'ai fait un pleonasme. Mais bon, grâce à Gerbal, ton professeur là, il est devenu un acteur top numéro un dans à l'école. C'était lui le. C'était ce qu'on appelle le premier rôle, mon premier, voilà, le mentor, tout ça, et Gerbal n'en avait que pour lui. C'est tant et si bien que moi, le pauvre père derrière, moi aussi je veux un rôle. Il avait tous les grands rôles et tout. Ouais. Salaud. Ça l'a pas empêché de garder son petit côté ours de temps en temps quand même. Ah, tu vois. Il a le côté toujours réservé, et le côté où il est très C'est normal, qui est au Lido, qui est toujours au Lido. Bon, voilà. Et on a perdu les femmes du Lido, mais on les a retrouvées certaines. Ah, d'accord. Je ne sais pas où il veut en venir, mais bon, on va faire une recherche. Donc, quelques mots avant de servir le champagne au Lido. À vrai dire, j'en sais rien. C'est ça, c'est les restes. C'est tout ce qu'on a pu trouver. Et les danseuses s'appelaient comment? Les Bluebell Girls. Les Bluebell Girls. Et donc nous avons retrouvé une Bluebell Girls. Dit en français, les plus belles gueules. Les Bluebell Girls. Alors, elle s'appelle Florence, elle vient de Russie. Et elle va dire accompagnée de son mari. Non, elle est russe. Elle est russe, elle ne comprend pas un mot de français. Florence, vous allez danser ce soir? Oui. Est-ce que vous acceptez les Portugais? Oh la vache. Ah, ah. Je suis venu chercher grand riche, en France, pas trouvé. Ah non, elle n'est pas portugaise, elle est roumaine. Roumaine. Non, pas roumaine, russe. Russe, roumaine. Russe, s'il vous plaît. C'est, tu vois, oui, elle est roumaine. Ah, c'est son fiancé. Petit portugais. Mais il est partout, lui. Si vous voulez que je vous parle sur portugais, je ferai le ménage partout. Non, pas le ménage. Nous allons faire un spectacle de French Cancan. Fraîche. Ça va pas être très fraîche, mais bon. Par docteur Guy de la. Vendu chez Chinoise, bien, très bien, bon prix. Et nous allons donc procéder à l'opération finale du Saint-Guy. De la Saint-Guy, oui. Sur l'ouverture de la bouteille en ré mineur. Non, pas en ré mineur, mais en apnée. Alors, je vous présente. Le coproducteur. Oui, voilà. Le Robert. Non, le producteur. Le vrai producteur.
Et mon acteur, malheureusement, j'ai la douloureuse nouvelle à vous annoncer qu'il est... Il est sourd et il est muet. Ah, en plus, ouais, mais il vaut mieux pas qu'il parle. Donc ça va. D'accord, c'est pour ça. Ok. Tout se fera dans le silence. Voilà. D'accord. Okay. Et là, il comprend. Mais il dit rien parce que le langage des mains. C'est le langage des mains. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Et là, tu réponds. D'accord. Je vais répondre pour lui. Oui, oui. Alors donc, pour traduire, parce que bon, je parle aussi sourd et malentendant, il y aura des belles femmes avec des gros nichons, voilà, de belles, des propres sur elles, longues cheveux. En plus, belles femmes, gros nichons. Oui, voilà, elle est là. Et un trablot. Et un trablot. Un trablot. Là, je t'ai cassé la gueule, moi, ta gueule, je veux un trablot. On va être ensemble pour le French Cancan. Attention, et toi, tu es le producteur, tu es là. Tu es là. Attention, et tu vas chanter avec moi. 1, 2, 3. Ta 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 C'est... Attention, laissez passer. Attention, le French Cancan, ils sont où? Ils sont où, les French Cancan? On refait le French Cancan. Attention, French Cancan. Et alors, nous allons recevoir en direct le serveur du casino du Lido. Non, pas du casino. Le casino, putain, merde. Qui va ouvrir devant vous. Mais alors, le problème, c'est que c'est un retraité maintenant que ça fait... C'était en 1912. Voilà, et ça fait au moins 55 ans qu'il n'a pas ouvert une bouteille. Ouais. Nous allons voir le résultat de la manœuvre. Donc, au départ, le French Cancan. Alors, le French Cancan... Sans péter. Merci. Ta 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 producteur. La 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 ensemble ensemble. La 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 la. Mais il le fait bien, bien sûr. Attention, il s'est pété un truc. Oh merde, on a perdu le roumain. Bouchon, attention, attaque du le serveur qui arrive, il tremble là-bas. Laissez-le passer. Faites place. Il transpire, il a chaud. Il a chaud. Attention. Vite. Bon. L'opération est terrible. Je ne sais pas si on va y arriver parce que... Voilà. Le producteur, merde, aidez-le. Massage, oui. Bon, les Coco Girls, derrière aussi. Attention, putain. Ouais. Oh putain, bravo. Putain, il a été vite, hein. Bravo. Le public, bravo. Le public. La 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 la. Avec le producteur. La 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 la. C'était pour les 48 ans de ma sœur. 43. Donc toi et Loane. Merci à vous les studios Kodak Shay. Au revoir.